Bonjour, dans ce tuto, je vous propose de vous montrer comment modifier la couleur d'arrière-plan d'un bloc créé avec Brizy. Donc un bloc, c'est l'équivalent d'une section sur la plupart des autres constructeurs de pages WordPress. Donc une fois que votre bloc est créé, vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à droite et vous allez jusqu'à couleur. Donc là, vous allez pouvoir modifier la couleur du bloc, de son arrière-plan en fait. Donc vous voyez par exemple là si je mets une couleur bien flashy, histoire de vous montrer, vous voyez qu'aussitôt la couleur se change. Et donc vous avez la possibilité, voilà, de vous balader, ou vous pouvez choisir dans la palette de couleurs que vous avez pré-réglée dans Brizy sur votre site. Donc par exemple on va pas mettre du trop foncé sinon on va plus voir le texte. Voilà, on va mettre celle-ci. Et ensuite, vous avez la possibilité de régler la transparence de cette couleur. Voilà. On va avoir, vous voyez, des nuances différentes pour retourner jusqu'au blanc. En fait, c'est ce qu'on appelle une couleur de superposition, pardon, d'où le terme overlay, qui est la superposition. Je vais y arriver. donc voilà, vous pouvez régler l'intensité de superposition. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé la bonne couleur ainsi que la bonne dose de pourcentage de superposition, il suffit de cliquer sur Update. Et une fois que l'enregistrement sera terminé, on va aller sur la prévisualisation. Alors vous n'êtes pas obligé d'enregistrer avant de prévisualiser. Moi c'est un réflexe que j'ai pris quand je fais des modifications, j'enregistre aussitôt. Ça évite les pertes lors de mauvaises manipulations. Donc là, on va voir le rendu. Voilà, on a bien notre couleur qui était enregistrée. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, pardon. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao!